On dit que l'enfer, c'est du feu et du soufre. Mais pour moi, c'est Grace en Californie. Cette ville est mon enfer sur Terre. Une ville perdue où les rues sont pavées d'intentions, bonnes et mauvaises. Cette petite vie, cette âme désenchantée, sept péchés capitaux. Aucun de nous ne savait à quel point ils étaient mortels, encore moins la victime. Je ne dirais pas qu'elle était innocente, mais je ne l'étais pas plus. Nous avons tous joué un rôle dans ce qui s'est passé. 9 mois plus tôt, le lycée Evan était une marmite où mijotaient des hormones en ébullition et des amours platoniques non partagés. Il ne manquait que 7 ingrédients. Un brin de luxure, une pincée d'orgueil, l'envie, la colère, la paresse, la gourmandise et l'avarice. Et bien sûr le catalyseur, moi. Une pêcheresse de classe internationale en exil à Grace. Pas dans l'état de grâce, mais dans la petite ville de Grace. J'étais la chose la plus intéressante qui débarquait en ville depuis des années. Sérieusement, regardez ça. Petit haut rouge drapé, mini-jupe ajustée, et mon sac à main, c'est pas une contrefaçon. C'est de la marque, chérie. Harper Grace? Oui. Voici Kaya Sellars. Kaya est nouvelle. Harper Grace? Tu t'appelles comme la ville? Son arrière-arrière-grand-père possédait la carrière de calcaire sur la colline. Et jusqu'à il y a 2-3 ans, les Grace possédaient presque toute la ville. L'épicerie, la banque, le cinéma. Mais il leur reste leur affaire de teinturerie. Hein? Je vous la laisse. Ça, c'est le grand couloir, et il est mortel. Et là, à droite, t'as la cour et la cafétéria. Elles sont mortelles, l'une comme l'autre. Oh là là, Harper! Waouh, t'es vraiment ravissante. Tu déménages? Non, pourquoi? Ma mère m'a dit que quelqu'un lui a dit que ton père allait fermer son pressing. Non, on se débarrasse de ce vieux motel, mais on garde la société de nettoyage à sec. Oh, cool, ma mère adore la façon dont ta mère nettoie ses chemisiers. Vous savez quoi? Kaya est nouvelle ici et je suis en train de lui faire visiter les lieux. Alors... Waouh, tu dois être quelqu'un d'important. T'as tes propres clones à supporter. Alors, Kaya, d'où tu viens? Manhattan. Sacré changement. Je tuerais pour vivre à New York. Pour quelle raison de fou tes parents t'ont-ils fait venir à Grace? Oh, bah ma mère en mourrait de quitter la 5e avenue. Donc elle m'a envoyée vivre ici avec mon drôle de père. C'est une longue histoire, remplie de péchés en tout genre. Le dernier impliquait 2 étudiants de la fac, dans mon dortoir après l'extinction des feux, quelques barrettes de hache et un beau petit incendie. Les ambitieux, les losers et les geeks, les sportifs, les laidrons. Et là, nous avons notre propre sous-culture de la drogue, avec à sa tête le plus charmant des couples, Travis et Nicole. Qui c'est, ça? Notre solitaire local. Et là, c'est notre table. La table des élus. Mais le plat du jour de la cantine est vraiment à vomir. Vous tous, voici Kaya, voici Miranda, Adam, Bess. Salut, moi c'est Kane. Enchanté. Alors, on se retrouve quand cette semaine? Je dois bosser ce soir. On a une soirée pour fêter la rentrée la semaine prochaine. T'as pas l'intention de me demander de faire partie des animateurs, rassure-moi. Non, on a prévu une fête après. Ah, cool. Pour les dernières années. Oh. Alors ça vous dirait de faire ça chez moi? Mon père sera en voyage. Ça me va. Parfait. Génial. Alors disons vers 7h. Demain soir. Cool, une fête pour organiser une fête. Littérature française contemporaine. Tu parles. Madame Marchak passe son temps à nous parler du Moyen-Âge. Vous n'êtes pas au courant? Madame Marchak n'est plus prof, elle a pris sa retraite. Je m'appelle Monsieur Jack Powell. Et je remplace Madame Marchak. Oh la vache, quel âge vous avez? En bon français, s'il vous plaît. Quel âge avez-vous? L'âge n'est pas au programme. C'est Homer aujourd'hui. Ok, on commence le cours. Ça y est, on est en terminale. Tu le crois, toi? Dans 9 mois, on peut fiche le camp. T'as oublié, apparemment. Oublié quoi? Il y a 11 mois, c'était notre premier baiser. Joyeux anniversaire. Elles étaient beaucoup plus jolies avant que je les cueille. T'es vraiment un imbécile. C'est vrai. Écoute, je suis désolée si j'ai été un peu grognon ces derniers temps. Je suis vraiment stressée cette année. T'en fais pas, c'est pas grave. Le seul moyen que j'ai de quitter Grèce, c'est d'entrer à l'université. Pour ça, je dois avoir une bourse et donc d'excellentes notes au test d'évaluation. Pourquoi tu tiens tant à partir? On pourrait être heureux ici.
Mais encore plus à UCLA. Leur programme sportif est top. Ah oui. Yo! Oh non, vous arrêtez pas, ça devenait intéressant. Y a une guérie, mesdames et messieurs. Salut. Salut. Tu veux jouer? Avis de cessation de bail. Salut, Hank. Sharon? Waouh. Je me doutais que la police enverrait quelqu'un, mais je pensais pas que ce serait toi. Je sais. Normalement, les inspecteurs ne s'occupent pas des avis d'expulsion, mais... Écoute, je suis vraiment désolée. Ça n'a pas dû être facile ces dernières années. C'est un euphémisme, comme l'atterrissage du Hindenburg. Il faut que j'entre dans les locaux. C'est pas trop tard, j'espère. Non, tu as 24 heures pour libérer complètement les lieux. Panier raté! Qu'est-ce qu'il fiche encore dans l'équipe junior? Hé, Adam! Moi, je dois y aller. On se voit après les cours? Ah non, je bosse ce soir. Ok. À plus, Kane. Ça, tu peux compter dessus. Hé, c'est ma copine, vieux. Je bosse ce soir, mec. Elle délire ou quoi? On est en dernière année. Les études, c'est important pour elle. Non, mais je veux dire, elle est craquante et tout, mais elle est franchement coincée. Peut-être que tu t'y prends mal avec elle. Je pourrais te donner un coup de main. C'est ça, tu peux rêver. Tant pis pour toi. Dis, Hank. En fait, pour tout te dire, j'espérais tomber sur toi. Nos deux gamins vont décrocher leur diplôme en juin et ça m'a fait exhumer un tas de souvenirs. T'as bien dû creuser pour arriver jusqu'à moi. Ça fait un sacré bout de temps. 18 ans. Sharon, on a un 1065 dans le bloc d'immeuble du 3462 Cooper Road. Terminé. Je dois y aller. Ouais. Ça m'a fait plaisir de te voir, Hank. Moi aussi. Bon, cette année, on a un arrivage de nouvelles petites chéries qui n'attendent que nous. Eh ben vas-y, choisis-en une, mec. En ce qui me concerne, j'ai Bess. Ah ben c'est cool pour toi d'être entré dans la routine. Moi, je préfère un peu de diversité. Oh, je l'ai vu, ta diversité. J'ai pas envie d'y goûter. À plus. Je comprends pas pourquoi Adam m'a préféré cette poupée insignifiante et froide. Tu crois que Kane voudrait sortir avec moi? Je veux dire, tu pourrais nous imaginer ensemble? Je dirais, non. T'es pas le genre de Kane et c'est bien comme ça. Je pourrais l'être, si je changeais ma façon de m'habiller et ma coupe de cheveux. T'as qu'à lui dire ce que tu ressens pour lui. Ouais, comme t'as dit à Adam ce que tu ressentais pour lui. Ça se voit tant que ça? Oh, uniquement quand tu lui parles, ou quand tu le regardes, ou parfois aussi quand tu te balades avec. Ou quand je pense à lui, quand je respire. Je suis d'accord, l'approche directe, on oublie. Mais en qualité de meilleure amie, je vais t'aider à avoir Kane. T'es sérieuse? Ouais. Bon, d'accord, Kane est un idiot. Mais si tu le veux, je ferai en sorte qu'il soit ton idiot. Merci. Viens là. C'est un endroit de rêve ici, t'en croirais pas tes yeux, mon cœur. Dommage que tu sois pas là. Il y a une vue d'enfer, mais vraiment d'enfer. Oh, j'ai vraiment pas de veine. Tu me manques. Ouais, j'ai l'impression que ça fait un temps fou qu'on s'est quitté. Finalement, Harper, on devrait faire la soirée au motel de ton père. Si les gens se défoncent, ça gênera personne. Ouais, c'est pas bête comme idée. Peut-être. Où est notre hôtesse? Salut tout le monde. Un breuvage aussi torride que le Sahara pour notre ravissante hôtesse. Merci. Qui a envie de nager avec moi? On n'a pas apporté nos maillots de bain. Et alors? Il est dommage de ne pas profiter d'une piscine chauffée qui n'attend que nous. Ce serait même une tragédie. Olé! Vas-y, lance-toi, Guéry. Ouais, je plonge tout de suite. Vous avez avancé dans votre travail? Oh, oui, absolument. Vous savez, j'ai plein d'autres bikinis. Mais ils seront sûrement pas à votre taille. Ah, y a pas de souci, j'ai pas besoin de bikini. Je vais juste me déshabiller. Waouh, ravissant tout ça, ici. Mais bon, ok, ma puce, je te laisse, il faut que j'y aille. Tout le monde à l'eau. Bataille d'eau. Tu sais, Kane, au cas où tu l'ignorerais, t'as une admiratrice secrète. C'est quand tu veux, où tu veux. Pas moi, imbécile. Bess? Non. Non, mais pourquoi tu penses à elle? Pour rien. Bon, je sais, tu aimes bien Bess. Malheureusement pour toi, ton meilleur ami et elle sont indécrochables. Pas ce soir. C'est pas mal. Aujourd'hui, mon meilleur ami est accroché à Kaya.
Alors, qui c'est? Ça doit être beau, New York. Ah, oublie. Merci, Kaya. Trop cool, ta baraque. Merci. Jolie caisse, Harper. Tu sais quoi? J'ai des robes à faire nettoyer. Vous livrez à domicile? Laisse tomber, Harper. C'est minable comme humour. Je déteste ma vie. J'habitais la plus grande maison du coin. J'avais mes soirées piscine. Ou encore, mes soirées à la Villa du Lac ou au bowling. On peut au moins faire des soirées au motel. Enfin, je veux dire, maintenant qu'il est vide. Attention ! Tu n'as rien ? Alors là, mon père va me tuer. Ma chérie, tu vas bien ? Oui, ça va, maman. Le van est quasiment foutu. Il y en a pour 5000 dollars de réparation. Qui va payer maintenant ? L'assurance ? L'assurance ? On a enlevé la garantie tout risque pour faire des économies. T'as qu'à payer avec ta carte de crédit et je vous rembourserai après. On a déjà dépassé le plafond de nos cartes de crédit et on va bientôt perdre la maison. Harper, il est grand temps de te réveiller et d'admettre qu'on a des très gros problèmes d'argent. Chérie, le nettoyage à sec est notre seule source de revenus et une partie de ce travail repose sur le ramassage et la livraison. Je suis désolée. T'es désolée, mais c'est pas ça qui réparera le van. Mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Il n'y a pas de maladie plus destructrice que la luxure, ni plus contagieuse. Je déteste encore plus que vous les contrôles, parce que c'est à moi de les corriger. Alors, je vous ai préparé un petit questionnaire sous forme de quiz. Pas très difficile. Vous allez voir. Les Lolitas des petites villes fantasment sur ce qu'elles aimeraient bien qu'ils leur fassent. C'est simplement pour me donner une idée de votre niveau. Certains d'entre vous ont un niveau plus élevé que d'autres. Fantasmer est une perte de temps. Quand vous voyez quelque chose que vous désirez, prenez-le. Merci. On va visiter l'endroit où on ira après la fête ? Non, pas moi, je dois réviser. Et moi, j'ai des trucs à faire. On y va demain, alors ? Moi, je peux y aller aujourd'hui. Vous allez où ? On va chez les Grace au motel. Je t'appellerai quand on reviendra. Révise bien, alors. J'arrive pas à croire que tu les laisses ensemble. J'aurais pas du tout confiance en elles. Je fais confiance à Adam. Ça t'est déjà arrivé de le faire ? Ouais, une fois ou deux. La confiance laisse entrer la luxure qui dénude la poitrine. La luxure s'épanouit en se métamorphosant et en dévorant l'amour. Super! Ça devrait convenir pour la fête, hein? C'est parfait. Mais qu'est-ce qui est arrivé à la famille de Harper? Oh, bah tu sais, l'économie, c'est jamais évident. Attends un peu, arrête! Qu'est-ce que tu fais? Adam, je sais ce que tu veux. Je sais ce qu'il te faut. Non, Kaya, excuse-moi si je t'ai donné de fausses idées. Je suis avec Bess. Ça m'est égal? Non, j'ai dit non. Tu dis ça, mais tu en meurs d'envie. Eh oh! Y'a quelqu'un ? Madame Guéry ? Ah, Adam. Salut. J'ai vu la voiture et je voulais juste m'assurer que tout allait bien. Oui. Kaya, je te présente la maman de Kane. Elle est flic. Lieutenant, désolé. Est-ce qu'on fait quelque chose de mal, à part l'entrée par effraction ? Les parents de Harper nous laissaient nager dans leur piscine de temps en temps, alors je me suis dit... En fait, Kaya arrive de New York. Vous pouvez pas nager ici. Ces locaux n'appartiennent plus aux Grace. D'accord. Veuillez nous excuser. On s'en va. Ça va, Kaya ? Tu t'ennuies pas trop dans ce trou au milieu de nulle part ?
Je suis sûre que je m'ennuierai juste ce qu'il faut, madame. Hank ? Salut, Sharon. On peut se parler ? Oui, pourquoi ? Kane, c'est Harper. Salut, Gracie. Quoi de neuf ? J'ai besoin d'un service. Très bien. En fait, j'ai besoin d'un peu d'argent. Je sais pas, disons... $1000, un truc comme ça. Oh, je suis loin d'avoir autant d'espèces, désolé. Tu sais, je pensais que je pourrais faire quelque chose pour toi. Kane ne paie pas pour le sexe. Non, sois pas bête, allez. Non, tu peux peut-être faire un truc pour m'aider. Quoi ? Il y a un type qui m'a demandé de parler à Travis pour étendre son réseau de distribution d'Exta. Comme intermédiaire, je pourrais me faire quelques milliers de dollars. J'ai même pensé en prendre 2 capsules pour notre fête. Mais... Travis refuse de dealer avec moi. Mais pourquoi il refuse ? Je crois qu'il m'en veut encore d'avoir couché avec Nicole quand il était en tôle l'an dernier. Y a-t-il une nana que t'as pas envie de sauter ? Oui, mais j'avais envie de me la faire depuis qu'on faisait du tape-cul ensemble à la maternelle, c'est bon. Eh ben, tu t'es grillé tout seul sur ce coup-là. Écoute, c'est très simple. Tout ce que t'as à faire, c'est piquer la cam à Travis. T'es sérieux ? Tu me demandes de dealer de la drogue ? Là, tu rêves. On facilite juste les choses. On aide un type à conclure une affaire et pour ça, on sera dûment récompensé. Quelle que soit la somme qu'il me donnera, ou quelques milliers de dollars, on partagera. J'aime pas ça, Kane. Ma mère est flic, tu crois que je le ferais si c'était dangereux ? Et voilà le résumé. La luxure et l'appétence autodestructrice pour le plaisir. Oh, regardez-moi ce corps. Qu'est-ce que ça vaut ? L'heure était venue de prendre d'assaut le fort. Adam. Kaya ? Pile le mec que je cherchais. Qu'est-ce que tu veux ? Jolie ! Kaya, qu'est-ce que tu cherches là ? Je te cherche toi. À bientôt, chérie. Tiens, salut. Bess. Qu'est-ce que tu... À bientôt, Adam. Qu'est-ce que Kaya faisait dans le vestiaire des garçons ? Je sais pas. Il ne s'est rien passé. D'accord. Alors pourquoi tu viens de rougir ? Elle est cinglée. Quel genre d'allumée se pointe dans le vestiaire des mecs ? Elle est complètement dingue. Ça vient peut-être de toi, Adam. Elle croit peut-être que tu veux quelque chose. Peut-être que c'est vrai, que tu veux ce que je refuse de te donner. Il ne s'agit pas de sexe. C'est sûr ? Eh bien, tu sais, on est probablement les seuls élèves de dernière année à être encore vierges et ça... Et alors ? Je veux être différente, d'accord ? Je sais, oui. Je ne veux pas le faire sur la banquette arrière d'une voiture. Je sais, je sais. Dans le vestiaire des garçons. Je le sais. Baisse ! Tout est chamboulé. Comme si tout ce que je disais à Baisse prenait un autre sens. Il y a seulement 2 semaines, même si je ne disais rien, elle me comprenait totalement. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Alors que toi et moi, on communique. T'as toujours été là pour moi, Gracie. Adam, je pense à nous quelquefois. Et même très souvent, ces derniers temps. Et cette année est notre dernière année. C'est une année comme les autres. Laisse-moi finir. Tu sais, dès le premier jour où j'ai emménagé à côté de chez toi, on a été très proches l'un de l'autre. Je me sens plus proche de toi que de personne d'autre. Tu connais chacun de mes secrets, de mes défauts. Et t'es toujours mon meilleur ami. Tu te rappelles la fois où on a campé dans ton jardin ? T'as failli mettre le feu à la tente avec toutes tes bougies. Ne te moque pas, je te parle sérieusement. Écoute, t'es la personne la plus honnête que je connaisse et je t'aime. Je sais. Moi aussi, je t'aime, Gracie. C'est vrai ? Oui. Tu es la petite sœur que j'ai jamais eue. Une sœur ? Ouais. Salut, vous deux. Enfin, des visages amis et bienveillants. On est en pleine discussion privée, désolé. Oh, on discute quand on est vieux. Allez, viens danser. Vas-y, c'est bon, tu vois. T'as la permission de ta sœur. J'espère que tu sais que ma copine est furieuse contre moi. Je t'entends pas, il y a beaucoup trop de bruit. Je te rappelle quand on était gamin, ces balançoires étaient déjà vieilles et rouillées. D'ici une centaine d'années,
La vie leur a disparu, mais elles seront certainement encore là. Et c'est ici que tu m'as annoncé que t'étais amoureux d'Ashley. Apparemment, elle m'a épousé pour mon argent. Oups. Et moi, j'ai épousé un alcoolique en guise de prince charmant. Eh oui, la vie, c'est un beau conte de fées. Bess me le pardonnera jamais. Alors lui dis rien. La luxure n'est pas tant un crime passionnel qu'un péché par omission. Une incapacité à arrêter une cascade d'événements. Qui peut arrêter un train qui déraille? Salut, c'est moi. S'il te plaît, viens à mon secours, ma mère me rend complètement folle. Sincèrement, Adam, tu me manques. Et tu sais, au sujet de ce que tu veux, je le veux aussi. Kaya, je peux pas. J'aime Bess. Elle est gentille. Maintenant, tais-toi. Qui aurait cru qu'un petit décolleté et une allure chic attiseraient autant le feu de la luxure à Grace? Salut. Salut. Tu t'apprêtais à sortir? Non, je rentre à la maison. Il est minuit. Si tu veux endosser le rôle du parent inquiet, mieux vaudrait que tu t'achètes une montre. Je fais vraiment de gros efforts pour m'habituer à ta présence. Mais je sais que tu ne devrais pas être dehors à minuit en période scolaire. Tu vas me priver de sortie. C'est ce que tu veux que je fasse? Ce que je veux, c'est que tu me renvoies à New York. T'es en retard. Il est à peine 11h, maman. Bien essayé, il est minuit. J'avais fait un dîner pour nous. Encore? Pourquoi? Ça fait 3 fois cette semaine. Qu'est-ce qu'il y a? J'aime bien faire à manger pour nous. Depuis quand? J'ai été élevée à coups de plateau repas et sandwich à gogo, et tout à coup, tu deviens la parfaite ménagère. Tu vas bientôt quitter le lycée. Maman, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que j'ai? Viens, viens là. Tous les gens que je connais ont une bonne raison pour rentrer chez eux. Une famille, un mari, un petit ami. Alors je crois que j'ai juste envie que t'aies encore besoin de moi. Ça fait pas trop carte de vœux. Si tu veux que je t'achète un chien, dis-le moi. Un chien? Oui, un chien. Un gros chien avec de grosses papattes que tu pourrais cajoler. Non, non. Je veux simplement que tu me promettes qu'on mangera ensemble une fois par semaine. Et surtout, je ne veux pas de chien. D'accord, pas de chien. Très bien. Ce ne sera plus très long à présent. La luxure l'emporte toujours sur l'amour. Kaya. Adam, quoi de neuf? Quoi de neuf? T'as pas reçu mes messages? Tu veux dire les 15? Écoute, la nuit dernière, c'était une erreur. Mais je te trouve super, seulement je... Excuse-moi, t'as cru qu'on allait sortir ensemble ou quoi? Non, non, écoute, je voulais juste m'assurer que tu ne te faisais pas de fausses idées. Je sors avec Bess, et je l'aime. Oh, ça veut dire que tu veux pas qu'elle sache ce qu'il y a entre nous, alors? T'irais pas lui dire. Moi? Adam, tu me blesses. En fait, je crois que ça montre simplement que tu peux baiser qui tu veux, mais sais-tu vraiment à qui t'as affaire? Allez, détends-toi. C'est rien de grave, c'est que du sexe. Il faut surtout pas que Bess le sache. Je sais même pas comment c'est arrivé. On était là, on faisait que danser, et puis... Ok. Évidemment, c'est pas moi qui raconterai quoi que ce soit, et j'irai parler à Kaya. Je me suis vraiment fait baiser. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Tu sais, si Kaya et Bess sont tes plus gros problèmes, peut-être qu'il t'en faut un vrai. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est que tu devrais pas avoir autant de mal à rester avec ta petite amie. Peut-être que tu l'aimes pas. Ah non, c'est pas ce que j'ai dit. T'as du mal comprendre. J'aime Bess. Mais t'as couché avec Kaya. Je t'ai dit que c'était une erreur, Harper. Écoute, on s'enfuit pas quand la situation s'envenime. C'est peut-être ce que tu fais toi, et c'est peut-être aussi pour ça que t'es seule. Seule? Je suis la plus populaire de toutes les filles de Heaven. Ça, c'était avant.
Adam! Adam, reviens! Les mecs trouvent ça vraiment bandant? Le sondage dit... Oui. Miranda, pourquoi tu vas pas danser avec Kane? Vas-y. C'est pas de la danse, ça. Il s'allume, c'est tout. Où est-elle de tourner? Ouais, tu crains rien. Un peu d'eau fortifiante? Non merci, vieux. Avec ma chance, je me ferais prendre et renvoyer de l'équipe. Un homme amoureux n'a pas besoin d'une intoxication de plus. Salut. Tu perds ton temps avec mon petit ami. Hé, regarde, c'est pas Bess qui parle à Kaya? Si un jour vous faites une partie à trois, je veux en être. Il est trop gentil pour te dire de prendre le large, mais notre couple est solide. Merci pour le tuyau. Salut. De quoi vous parlez? Ah, de rien, c'est juste des trucs de filles. Allez, viens, c'est notre chanson. Bonsoir, Jack. Ah, bonsoir. Voulez-vous danser avec moi? Je suis là en tant que chaperon, mademoiselle Sellars. Je ne danse pas avec une étudiante. Qu'est-ce qui vous arrive? Non mais t'as vu ça? Cette fille est incroyable. Et la pudeur, ça existe? La pudeur s'étouffe avec la chasteté. Incroyable est le mot. Ça, c'est pas un scoop? Tu veux danser, beauté? C'est magnifique ce soir. C'est vrai? Oh oui. Tu sors, Hank? Ouais, il y a une réunion au bureau du shérif. La sensibilisation au crime pour les industries. Tu veux pas rater ça, hein? Ouais, et alors? Tu veux venir? Pourquoi? Pour que les gens qui nous connaissaient puissent s'apitoyer sur nous? Franchement, t'es incroyable, Ashley. Malgré ce que tu peux penser, j'ai jamais prévu de perdre le motel. Ni notre magasin, ni la banque, ni rien du tout, d'accord? On y va. La fête vient juste de commencer. Pas chez nous. On monte à l'étage. C'est idiot d'attendre plus longtemps, crois-moi. J'ai envie de toi maintenant. C'est que du sexe. Ma puce. Tu as raison. Je peux attendre. Ça doit être exceptionnel. Ça le sera sûrement. On est vierges tous les deux. Pourri cette fête. Ouais, c'est vraiment pourri comme fête. Moi, je me ris. La luxure non partagée blesse et fait naître l'envie. Je dois dire que c'est la réunion la plus ennuyeuse à laquelle j'ai jamais assisté. Jusqu'à ce que t'apparaisse. Tu sais, Hank, j'ai toujours envié ce que vous aviez. Toi et Ashley. Parce que t'as réussi ton mariage et moi non. Pour te dire, notre couple s'est brisé il y a très longtemps. Tu sais, Harper va bientôt s'en aller. Elle a hâte de quitter cette ville. Peut-être qu'on devrait attendre. Mais... Tu es sûr? Tu te sens vraiment prête? On est amoureux, non? Oui, oui, bien sûr, on est amoureux. Mais si on a attendu aussi longtemps... Ah, on a attendu bien assez. J'en ai vraiment envie, Adam.
seulement j'arrive à ouvrir ce truc. Adam ? Les choses n'étaient pas censées se passer comme ça. C'est moi qui devrais être avec Adam, au motel à l'heure qu'il est, pas l'insipide Bess. 64, 65... Je le connais mieux que personne, je sais exactement ce qu'il veut. Au cas où tu le saurais pas, Bess est une fille parfaite. Si Bess est une fille aussi parfaite, pourquoi Adam a couché avec Kaya? Tu rigoles, Adam a trompé Bess? T'étais pas au courant? Je croyais qu'il te racontait tout. Pas ça. Tu dois le dire à Bess. Non, et toi non plus d'ailleurs. Lui, s'il pensait que Bess l'avait trompé... Il la plaquerait dans la seconde. Je vais lui dire que tu veux des cours particuliers pour le test d'évaluation. Petit problème, j'ai refusé de faire ce test. Je t'assure que non. T'as décidé que tu ferais ce test et tu vas prendre des cours avec Bess. Va te faire foutre, Travis! C'est toi qui m'as traîné dans cette soirée, alors tu ferais mieux de la fermer! Ça fait aucun doute, c'est vraiment un charmant petit couple. Au moins eux, ils sont pas tout seuls. Je sais pas si je peux le faire. Du calme, c'est pas si méchant, c'est juste Travis qui est en cours avec nous. Ok, alors promets-moi que tu laisseras le moteur tourner, comme dans les films. Comme tu veux. Très bien. Tu prononces pas mon nom et tout se passera bien. J'en ai marre de tes cris. Mademoiselle Harper Grace, j'ai été surpris de recevoir ton coup de fil. La vie est pleine de surprises, Travis. Est-ce que t'as la marchandise? Ouais, je l'ai. Bon, attends-la. C'est quoi le problème, Harpy? Tu te dévergondes ou t'es finalement tombé de ton piédestal? Écoute, Nicole... Désolée si je t'ai pas calculé à l'école quand on était petite, et si tu te l'as enfoncé toute seule le balai géant que t'as dans le derrière, mais... Et ça, t'as envie que je te l'enfonce dans le tien? Nicole! Ah! Oh, j'y crois pas! J'ai failli te tuer! Mon Dieu! Qu'est-ce qui s'est passé, bordel? Vite, démarre! Tu diras rien à ma mère, on est d'accord? Mais tu crois que je vais lui dire? Non mais la balle, elle a sifflé à mon oreille, Kane. Elle a sifflé. Oui bon, Nicole est un peu tarée. C'est maintenant que tu le dis, il est temps. Écoute, restons positifs. Travis va sûrement te filer la cam pour rien maintenant. Non mais t'es cinglé ou quoi? Kane, je veux plus en entendre parler, c'est terminé. J'ai failli me faire tuer ce soir. Très bien. Allez, au travail maintenant. Je sais que nous sommes tous ravis d'être ici un samedi matin pour un entraînement au test d'évaluation, mais... Mademoiselle Sellars. Je suis en retard, désolé, Jack. La traînée est arrivée. Une minute de plus et j'étais obligé de vous refuser l'accès. J'aurais trouvé le moyen d'entrer. Prenez vos copies. À partir de maintenant, vous avez 40 minutes. À vous de jouer. Oui, je suis en face de chez la voisine qui a déclaré avoir entendu le coup de feu hier soir. Ah. Oui, il y a une balle logée dans une des colonnes de la maison. Ouais, ça ne me surprend pas, ça fait un bail que je garde un œil sur Travis Knight. Ça commence à ressembler à un deal qui aurait mal tourné. Oh, ils sont partis depuis longtemps. Il faut que j'aille voir la voisine. Dites à tout le monde que nous voulons parler à Travis Knight. Attention, c'est l'heure. Posez vos copies. Laissez-les sur mon bureau en sortant et passez un bon week-end. Merci. Mademoiselle Sellars, restez encore un peu, s'il vous plaît. Bess, attends. Écoute,
Je sais que ça fait un peu naze, mais Kane m'a demandé de te demander si tu accepterais de lui donner des cours. Kane ? Kane veut que je lui donne des cours ? Oui, je sais, il était trop gêné pour te le demander lui-même. Pourquoi moi ? Parce que t'es la meilleure. Et comme il pense sérieusement à son avenir, il a finalement compris qu'il était important de réussir les tests. Que puis-je faire pour vous, Jack ? Voulez-vous coucher avec moi ? Voulez-vous coucher avec moi ? Ce n'est pas de la littérature. Quoi qu'il en soit, félicitations. Il n'y a pas de faute. L'orthographe et la grammaire sont respectées. Et le sens vous paraît clair ? Écoute, il est totalement normal pour une étudiante de tomber amoureuse de son professeur. Oh, Jack, j'ai 18 ans. Nous sommes tous les deux adultes. Ce que je vous offre, c'est une liaison toute simple. Vous devez être fabuleux au pieu. Moi, je sais que je le suis. Considérez-moi comme votre PEL, petite étudiante libertine, qu'en dites-vous ? Ce que j'en dis, j'en dis que... Que tu es un cauchemar en mini-jupe, ni plus ni moins, Kaya. Fais marcher les petits jeunes de ton âge. Et laisse-moi tranquille. De plus, je crois que tu n'es pas aussi calé en littérature que tu veux le croire. Et moi, je crois qu'un professeur qui parlerait à une étudiante comme vous venez de le faire serait disposé à contourner le règlement. Il suffirait de lui faire prendre la bonne déviation au bon moment. Je vous dis à bientôt, Jack. Harper, tu m'as promis de m'aider à sortir avec Kane. Miranda, j'ai essayé. Mais je suis désolée, il refuse. Il n'est pas intéressé. Harper, je peux te parler ? Désolée, Miranda. Ne le sois pas. T'as toujours pensé d'abord à toi. Pourquoi je devrais m'attendre à ce que tu changes ? Ça va, Madame Gary ? Tu sais quelque chose sur un coup de feu tiré à Eastside Terrace ? Quoi ? Un coup de feu ? Un coup de feu a été tiré dans une maison appartenant au père de Travis Knight. Travis y habitait seul avec sa petite amie, Nicole Ryan. Travis et Nicole sont de pauvres parasites. Ils dealent de la drogue et vous savez, on n'est pas amis. Oui, mais la voisine qui a entendu le coup de feu a regardé dehors et elle a dit qu'elle avait cru voir la fille Grace s'enfuir. Vous croyez vraiment que ça me ressemble d'être mêlée à ce genre de choses ? Franchement, non. Mais je sais très bien ce que ta famille traverse en ce moment et c'est pas une façon de gagner de l'argent. Travis et Nicole ont disparu. Si tu les avais vus, tu me le dirais, bien sûr. Oui, bien sûr, mais je les ai pas vus. Je crois pas que je les verrai. Qu'est-ce qui t'arrive ? Rien. Seulement, je... Pourquoi vous êtes si bons amis, toi et Harper ? Vous avez l'air si différent, elle est tellement dure. Harper ? Dure ? En apparence seulement, à l'intérieur, elle est toute douce. Tu sais... C'est pas facile d'être à sa place. C'est vrai, réfléchis un peu, c'est Harper Grace. Avant que son père perde tous ses biens, il possédait presque toute la ville. J'imagine que t'as raison. Si on allait se faire une balade, jeudi après ma rencontre, juste nous deux. Je peux pas, les tests ont lieu samedi, je dois réviser. Mais tu viens quand même me voir courir. Je peux pas laisser tomber les tests pour une petite course idiote. Course idiote ? Tu comprends ce que je veux dire ? C'est vrai, c'est que du cross. Pour toi, c'est une course d'entraînement. Moi, je te parle des tests d'évaluation. Même Kane trouve ça important. Kane ? Eh oui, il a dit à Harper qu'il voulait des cours particuliers. Voilà, il pense à son avenir, alors moi, je vais le coacher. Pourquoi ça l'intéresse autant, tout à coup ? Et pourquoi tu lui files un coup de main ? Pourquoi pas ? Et pourquoi ça te gêne ? T'es jaloux de Kane ? Non, je suis pas du tout jaloux de Kane. Adam. J'aime pas ta réaction. Oublie ça, je vais rentrer toute seule. Bess, Bess, t'en vas pas ! Refuser de faire des projets n'empêche pas l'avenir d'arriver. Salut, Gracie. Salut. Dis-moi, j'aimerais savoir si ta mère t'a parlé de moi. Non, pourquoi ? Je vérifie. Écoute, après tout ce qui s'est passé, je commence à en avoir marre d'attendre. C'est quoi ton plan exactement pour avoir Bess ? La séduire avec mon charme. Très bien. Non pas que je pense que ça marchera pas, mais on a besoin d'un autre cerveau. Pourquoi pas Miranda ? Miranda est une copine, il nous faut une libre penseuse. Tu peux y arriver ? Donne-moi une photo de Bess et de deux cornues et leur relation ne sera plus que de l'histoire ancienne. Adam sera anéanti et je serai à ses côtés pour le consoler. Un plan parfait. À cette petite distraction. À la réalisation de nos vœux. Aux conquêtes qui nous sont dues. Le goût capiteux de l'envie était doux.
mais pas assez sucré pour masquer l'amertume qui grandissait dans le cœur de Harper. Toi. Moi. Tu sors tard. Tes parents ne s'inquiètent pas. Qu'en pensez-vous? Que t'es une source de problèmes. Et moi, je pense qu'on a déjà eu cette conversation. Je vais en commencer une autre. Joli intérieur. Je suis content que ça te plaise. Je vais fixer certaines règles maintenant. On ne met personne au courant. J'ai bien dit personne. Oui, monsieur. On se voit quand je le dis. Où je le dis. Et jamais en public. Tu es remarquablement enivrante. Mais je n'ai aucune envie de foutre ma vie en l'air. Ce qui soulève par ailleurs une question très intéressante. Que fait exactement le très raffiné Jack Powell dans cette ville pathétique? Je sais quel péché j'ai commis pour finir ici. Mais vous, qu'avez-vous fait? Tu enfreins mes règles. Et tu es fichu. Si tu veux croire que t'as le contrôle de la situation, ça me va. Bess, tu vas pas regarder Adam courir? Je peux pas. Et puis Adam a piqué sa crise. J'ai l'impression de le perdre. Moi, je vais à la rencontre, alors je peux lui en parler. Si tu veux. Ouais, ça serait vraiment génial. Merci. De rien. Ma tête va exploser. On arrête un peu? On arrête un peu? Le sergent instructeur n'en peut plus? C'est déconcertant. Inconcevable. Inimaginable. Je suis stupéfait. Waouh, bravo! Quel vocabulaire châtié! Je peux t'inviter à déjeuner? Oh non, je suis affreuse. Accepte. Dis oui! Salut, Kaya. Ouais, il est juste à côté. Et c'est Kaya qui veut te parler d'un truc, c'est à propos de Bess. Allô? Je suis vraiment désolée que ce soit moi qui te l'annonce, mais... je crois qu'il faut que tu sois au courant. Je suis allée nager à la piscine après les cours. Et... je les ai vus dans le vestiaire, ils étaient ensemble. Et surtout l'un sur l'autre. Qui ça? Kane et Bess. Kaya, je ne te crois pas. T'as raison. On ne croit que ce qu'on voit. Qu'est-ce qui se passe?
poésie. Jonathan Payne a disparu il y a une semaine et la police de New Haven n'a aucune piste. Payne, 38 ans, a été vu la dernière fois alors qu'il prenait la mer au large du Yacht Club de Land's End. T'as appelé quelqu'un? Je t'ai entendu parler, qui c'était? Non, personne, un ami. Un petit ami? Rappelle-toi les règles, chaton. Une petite amie. Satisfait? Pas encore. Le monde est diaboliquement injuste. On trouve toujours quelqu'un de plus beau, de plus riche, de plus intelligent, ou qui possède une voiture plus classe. Hé! Hey. Hey, t'inquiète pas. Ça va? Heureuse? Aucun d'entre nous ne savait faire le bonheur des uns. Mais faire le malheur des autres, c'était facile. Hé, je suis là. Qui est Jonathan Payne? C'est un de tes amis? On l'a jamais retrouvé? Tu sais que c'est impoli de fouiner dans mes affaires. Et c'est parfaitement convenable de fouiller dans les miennes. Rappelle-toi que nous jouons selon mes règles, chaton. Nous flirtions tous avec le danger. Et les choses allaient encore s'aggraver. J'ai appris que t'avais gagné. Je sais pour toi et Kane. Kaya a tout vu. De quoi est-ce que tu parles? Elle vous a vu ensemble, tous les deux, et vous ne révisiez pas. Non, écoute, Kane voulait... Il voulait juste me remercier de l'avoir aidé, rien d'autre. T'es incroyable, tu le sais. Tu restes planté là à lui trouver des excuses. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Oh, ça va très bien, mec. Adam, arrête, rien. Non. Pourquoi tu me fais ça? Ça n'est pas toi la victime. J'avais confiance en toi. Mais j'ai strictement rien fait. Tu devrais peut-être t'en aller, maintenant. C'est bon, mec, tu l'as toujours voulu, elle est toute à toi. Mais de quoi est-ce qu'il parlait? Qu'est-ce que Kaya a dit? Aucune idée. Elle nous a peut-être vu déjeuner. Quand tu m'as serré dans tes bras. Mais j'ai plutôt l'impression qu'il cherche une excuse. Je crains que l'homme de New Haven soit mort. Jonathan Payne, avant sa disparition, faisait l'objet d'une enquête pour détournement d'argent. Le bateau a disparu sans laisser de traces. La femme de Payne partage les soupçons des autorités. Le mystère qui entoure le jeune marié et riche héritier s'épaissit. Tu dois être plutôt désespéré pour m'appeler. Tu dois être plutôt désespéré pour décrocher. Bonjour. Alors, je vais prendre un Bali cocktail. Pas ce soir, le DJ est mineur. Soirée sans alcool. Je peux vous donner un soda? Il y a d'autres bars à Grace. Tant pis. On n'a qu'à rester encore un peu, d'accord? Il y a un truc intéressant perché là-haut. Ouais! Harper. Qu'est-ce qu'amènent la reine et sa cour dans les bas-fonds de mon fief? On te l'a peut-être pas encore dit, mais mon royaume n'est plus exactement ce qu'il était.
On dirait, ouais. Salut, je m'appelle Reed. Oh, Reed, le clown encore mineur qui a fichu notre soirée beuverie en l'air. T'as vu? Il est plutôt du genre mignon. J'ai vu. T'es horrible, ma vieille! Alors, pourquoi tu m'as appelée? On m'a tiré dessus l'autre soir. Quoi? J'étais au mauvais endroit, au mauvais moment. Je sais, c'est vraiment débile, mais... Et j'ai réfléchi sur le sens de la vie. Réellement. Tu vois? Ouais. Quoi? Moi aussi, en ce moment, je vis un drôle de truc. Et ça... Qu'est-ce qui se passe? J'ai parfois l'impression que je fais souvent de mauvais choix. Et que si ça continue, je cours tout droit au désastre. Moi aussi. Eh ben alors, bienvenue dans mon monde. S'il te plaît, ne cherche pas la complicité avec moi parce que j'ai pas changé d'avis. Je te supporte pas. Oh, t'as aucune raison de t'inquiéter, ma belle. Je te déteste tout autant. Je suis bien contente qu'on se comprenne. À la nôtre. Il est plutôt tard pour faire un barbecue, tu crois pas? Je me débarrasse de vieilles cochonneries. Brûle, mon ange, brûle. Vous avez 3 heures, autrement dit 180 minutes. Pour compléter votre questionnaire. Ce n'est pas un exercice cette fois. Bonne chance à tous. T'as l'air épuisé. J'ai pas dormi de la nuit. Je vois pas ce que j'ai fait de mal. T'as rien fait de mal. Arrête de te faire des reproches. Ah, encore une chose, n'oubliez pas. Répondez bien à toutes les questions. Le reste de votre vie en dépend. Bess, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai eu un blanc. J'ai tout oublié, je me suis complètement vautrée. Je suis sûre que tu t'en es mieux sortie que tu ne crois. J'ai travaillé dur pendant si longtemps, je mérite de réussir. Ça va aller, d'accord? Je suis désolée pour toi et Adam. On n'a vraiment rien fait de mal. Je crois que t'as vu juste. Il cherchait juste une excuse parce qu'il voulait rompre. Enfin bref. Dit comme ça, c'est pas génial. Mais tu es différent de ce que je pensais. C'est drôle, tu sais. Je t'avais remarqué bien avant Adam. Je lui avais demandé de te présenter à moi. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe? On dirait que Kane donne des cours à Bess. Pourquoi c'est elle qui a ce que je veux? Je suis aussi intelligente qu'elle. T'es plus intelligente. Tu crois? Ah, alors pourquoi tu m'as pas demandé de lui donner des cours? Oh, peut-être parce que tu voulais qu'ils sortent ensemble, comme ça tu pouvais prendre Adam. Merci. L'orgueil précède la chute. C'est le péché suprême. Demandez donc à Lucifer. Ça lui a valu d'être banni du paradis. Votre attention s'il vous plaît. Un petit rappel. Un élève de dernière année sera choisi pour faire un discours sur la valeur de l'éducation. Et le Rotary Club de Grèce offrira au gagnant un prix de $4000. Merci. Ah bah écoute, c'est fini. Il y a bio. La piscine aujourd'hui, c'est une semaine sur deux. T'es en retard, chaton? T'es Jonathan Payne. J'ai vu ta photo sur le bateau. T'as simulé ta mort. C'est rien. J'avais besoin d'un changement, d'un grand changement. Et t'as volé de l'argent. Oublie Jonathan Payne. Il est mort. Tout ce qui le concernait est mort pour de bon. Ça s'arrête là, ok? Ah oui, eh bien tout ce qui nous concerne aussi est mort. T'as qu'à entrer, on va en discuter. Je vais tout expliquer. Kaya! Kaya!
Oui, je voudrais le numéro du club auto. Kaya. Tu conduis une dépanneuse? Ça doit être le destin. Tu veux bien soulever le capot? Ok, tu me l'allumes? Je parle du moteur, je voudrais que tu le mettes en route. Mon héros. Y a rien de grave, t'as juste dû le noyer. Il doit aller quelque part. Plus maintenant. Je vois rien du tout. La patience est une vertu, Kaya. Tu sais, je dois être folle d'accepter que tu me conduises au milieu de nulle part. Waouh. On est où? C'est un endroit intéressant. C'est ce qui reste de la carrière de calcaire et de la cimenterie de Grace. Un autre monument du monumental effondrement de Harper Grace et de sa famille. T'as pas l'air vraiment touché. Harper avait besoin de revenir sur Terre. C'est pas parce qu'on porte le nom d'une ville qu'elle nous appartient. Eh bien, Reed Sawyer, tu es la deuxième chose intéressante que j'ai vue depuis que je suis arrivée. Toi non plus, t'es pas vraiment ordinaire. Oh! Je croyais que t'aimerais ça. Refais-le. Chiche. Super. C'est la sortie la plus étrange à laquelle on m'est invité. On ferait bien de s'en aller. Là, il va pleuvoir des cordes. J'arrivais enfin à profiter d'un moment agréable. Un moment qui allait durer une éternité. Ou 5 minutes. Alors dis-moi, à quoi tu penses? Je pense que les choses reprennent enfin un cours normal. Et je me fiche de ce que pensent les gens de cette ville. Je retrouve ma bonne vieille Gracie. Ça y est, là t'es enfin revenue sur le terrain. Grace est de retour. J'ai l'impression que toi et moi, et ce bonheur tout simple qu'on partage, ça m'a l'air presque trop beau pour être vrai. Ouais, je sais. Ça nous a pris un peu de temps. Mais on y est. Le match se jouait au paradis, ou quelque part plus au sud. Je veux plus sortir, Hank. Tout le monde a les yeux fixés sur moi. Ouais, mais tu veux que je te dise? Ce qui nous arrive, c'est pénible. D'accord, la vie, c'est difficile. Mais j'avais pas prémédité tout ça. C'est incroyable de voir à quel point t'es égocentrique. Je suis désolé que la vie n'ait pas pris la tournure que tu souhaitais, d'accord? Mais on a gardé la santé et on a notre fille. Oh, c'est pas vrai, c'est Harper. Bonjour, Bess. Vous vouliez me voir? Je voudrais faire le discours sur l'éducation. Fantastique. Jusqu'ici, il n'y a que vous et Harper Grace en compétition. Merci. Pourquoi tu fais semblant de vouloir faire ce discours? J'en ai besoin pour aller à l'université. Eh ben, je veux l'argent
Et je vais la voir. Espèce de garce. Il faut que je le gagne. Je m'en fiche, Bess. Tu sais que je suis très contente qu'Adam ait rompu avec toi. Comme ça, j'ai plus besoin de faire semblant de t'aimer. Commence bien ta nouvelle année. Ou encore mieux, commence-la très, très mal. Insolite comme philosophie. Mais Kaya est insolite comme fille. Je suis vraiment désolée de la manière dont les choses se déroulent. Tu sais que je t'aime. T'inquiète pas, tout le monde se bat. Nous, on se battait pas. Quand on était jeunes et qu'on avait de l'argent, tout nous semblait possible. Je crois que ta mère est tombée amoureuse de ça. Pourquoi étiez-vous si insouciant? On était les Grace. Si tu veux mon avis, je sais pas grand-chose sur l'amour, mais je suis pratiquement sûre que l'argent n'a rien à voir avec. Eh ben, t'en sais déjà plus que moi quand j'avais ton âge. Surtout, sois prudente, Harper. Et prends soin de ton cœur. Salut. Très belle, ta robe. Merci. Miranda, t'as vu comme Harper est sexy? Si t'aimes l'allure de cette sale traîtresse. C'est quoi son problème? Problème de mec. Ah, j'adore cette chanson! Si on s'isolait un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a? Eh, j'ai un petit quelque chose pour toi. Un petit cadeau de Noël tardif. Kane, qu'est-ce que c'est? Ouvre-le. Un petit truc pour combler notre nuit. Un supplément spécial. Non, je prends pas de drogue. C'est de l'ecstasy, tu peux essayer, Bess. Regarde, j'ai déjà pris la mienne. Bess, c'est la nouvelle année, c'est une mie pour de nouvelles expériences. Je vais à la salle de bain. Dépêche-toi, on va vivre une nuit extraordinaire. Regardez qui voilà, mademoiselle parfaite. T'as perdu ton mec. Sérieux, elle est tellement extraordinairement fantastique. Elle comprendra. Faut lui dire. Non, écoute, t'es défoncé. Il faut que tu rentres. Combien d'extas t'as pris? Non, ça va. Ça roule, Gracie. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Et pourtant, il n'y a jamais eu de sexe entre nous. C'est comme si nos âmes étaient liées, tu vois. Je dois lui dire. Non, Kane. Bess. Arrête. Bess. Kane, écoute, ça ficherait tout en l'air. Adam veut enfin de moi. Parce que tu l'as pigeonné. Il croit que Bess l'a trompé. Non, il aurait fini par changer d'avis de toute façon. C'est comme ça, personne n'y peut rien. Maintenant, arrête, s'il te plaît. La vérité te libérera. Harper. Arrête. Harper, qu'est-ce qui se passe? Ken est bien défoncé. Ah, oh, je t'aime encore. Allez, c'est bon, arrête, ça suffit, d'accord. Je suis désolé pour ces photos truquées. Arrête. Kane, c'est bon. Quelle photo? C'était vraiment incroyable, mec. Kaya a truqué la photo par ordinateur et mis la tête de Bess sur le corps de Harper. Faut être idiot pour en arriver là. C'est pour ça que t'étais jaloux? Attends, reste, je veux savoir la fin. Comment t'as pu faire ça? Adam, je l'ai fait pour nous. Je t'aime. Et c'est pour ça que t'as vraiment cru que t'allais t'en tirer comme ça? J'ai failli. Désolé.
Je suis vraiment désolé. Tu me connais bien pourtant. Comment t'as pu penser que j'avais couché avec Cain? La photo... Bess... Jamais je t'aurais trahi. Et je sais que pour toi, c'est pareil. Ouais. Je voulais que tu sois le premier. C'est toujours possible. Alors... T'as couché avec elle? Quand? Quand on était ensemble? S'il te plaît, dis-moi que tu l'as pas fait quand Arrête, on était ensemble. Tu as dit qu'on pouvait prendre un nouveau départ et avoir une seconde chance. Ne t'approche pas de moi. Bess, je suis ne désolé. Ne t'approche pas de moi. Je suis désolé, c'était une erreur. On s'amuse comme des petits fous jusqu'à ce que quelqu'un soit blessé, traîné. Et puis commence la véritable partie de plaisir. Bess, Bess, s'il te plaît. Je t'en prie, s'il te plaît, décroche. Excuse-moi, je suis désolé. J'ai fait une énorme erreur. Bess, parle-moi, s'il te plaît. Je vois que t'as un club de soutien. C'est Traîné, son nom. Moi, je l'aurais appelé Grosse Salope. Je suis consciente d'avoir fait quelques erreurs. Je suis désolée, mais s'il te plaît, ne me déteste pas. Garde tes excuses. Je te déteste même plus. Adam. Bess. Joli travail, les filles. Vous avez toutes les deux écrit d'excellents textes. Malheureusement, seule l'une d'entre vous le prononcera. Félicitations, Harper. Vous ferez votre discours. Et Bess, vous présenterez Harper. Quoi? Non. Excusez-moi. Bon. Tenez, jeune fille, c'est le chèque du Rotary Club. Merci, Madame Levenstein. T'as oublié ça? Ça peut te consoler, ton discours est bien meilleur que le mien. Mais en fait, ça n'a pas d'importance. Dans la vie, tout se résume à un concours de notoriété. Et j'ai toujours gagné. Je sais pas pourquoi, mais les gens m'ont toujours aimé. Plus maintenant. Tu es une petite garce manipulatrice et tout le monde le sait. Fais attention, Bess. Ce langage insultant et plein de colère n'est vraiment pas ton genre. Tu verras, Harper.
J'apprends très vite. La face cachée de la gentillesse et la colère, ce sont les plus sereins qui sont les plus dangereux. Harper, t'as eu ça où? Eh ben, j'ai gagné le concours de discours. C'est vrai? Pour le van? Je sais que ça n'a pas dû être facile pour toi. Ouais, la pauvreté, ça craint. Ouais, la pauvreté, ça craint, t'as raison. Quel genre de valeurs tu enseignes à notre fille? De très bonnes valeurs, si tu veux le savoir. Qu'est-ce qu'il y a encore? Surtout, t'inquiète pas pour ta mère et moi. Toi, concentre-toi sur tes derniers mois de lycée. Tu vas entrer à l'université. Et t'as tout l'avenir devant toi. En tout cas, je me sens extrêmement fier de ma fille. Merci, Pa. La bêtise dont vous faites preuve à votre âge ne cesse de m'étonner. Nous avons trouvé ceci dans votre camion. C'est la peinture qui a servi à vandaliser l'école. Qu'en pensez-vous? Je pense que j'aurais choisi un autre mot. Dites-moi pourquoi j'aurais laissé la preuve dans ma dépanneuse. Je suis pas un idiot. Mais t'as agi comme tel. Oh, ça va. Arrête de faire le rebelle. Je vais pas m'excuser. J'ai rien fait. Si vous refusez de reconnaître votre responsabilité, vous allez devoir quitter le lycée Even. Vous m'expulsez. Cette école, c'est vraiment de la daube. Bess, je suis... J'avais rendez-vous avec Bess. Non, en fait, c'était moi. Je t'ai envoyé un message de son téléphone. T'es malade, tu le sais? Adam, s'il te plaît, je voulais juste... Tu répondais pas à mes appels, c'est pour ça. S'il te plaît, on sait qu'on peut faire en sorte non, que ça fonctionne. Non, on peut pas. D'accord, c'est vrai, j'ai menti. J'ai tout foutu en l'air, mais je t'aime. Je t'ai toujours aimé et tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour nous. Il n'y a pas de nous. Je ne sais même pas qui tu es, Harper. Il y a quelque chose de tordu chez toi. T'es une fille tordue. Je sais vraiment pas comment gérer cette affaire d'infidélité. C'est pas comme si je me levais un matin en disant « Hey, si je brisais un ménage aujourd'hui ?» Je déteste être obligée de faire comme s'il y avait rien entre nous. Je comprends que tu veuilles plus être avec moi. Je veux dire, je suis marié, je suis fauché. Oui, je suis au courant. On mérite d'être heureux, tu trouves pas? Manning, au lieu de rester la tête dans les nuages, nettoyez les tables. Allez vous faire voir, Madame White. Quel est ton problème? Je te demande quel est ton problème? Excuse-moi? Toute la ville pense que je suis une traînée. Et toi, t'en penses quoi? Eh ben, si tu plaides coupable... Je te croyais différent! Qu'est-ce qui te prend? J'ai rien fait. T'entends? Mais si c'est pas toi, alors c'est... Je sais pas, un des amis d'Harper. Non. Non, je sais qui c'est. Et je vais arranger ça. Salut, chaton. Tu changes ton fusil d'épaule? T'as fait accuser Reed. T'as enfreint les règles. Il faut que t'arranges ça tout de suite. Sinon quoi? Sinon je donne ton véritable nom à la police. Mon vrai nom est Jack Powell. Comme le dit mon passeport ainsi que tous mes autres papiers. Tu vas te ridiculiser, chaton. Et en plus, si jamais j'avais eu peur qu'on me retrouve, j'aurais déjà disparu. J'ai une proposition. Tu passes la nuit ici. Et demain matin, je facilite la réintégration de ton ami. Nous pouvons tout oublier. T'es un malade. De quoi tu m'as traité? Tu m'as parfaitement entendu. Je t'ai dit d'être gentil avec moi, chaton.
eu un accident. Il est blessé, peut-être mort. C'est au 2354 Opal Street. Je savais pas qui appeler. Je t'écoute. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis sortie avec un type. Un dominateur cinglé. Et aussi un menteur. J'ai aussi eu deux ou trois drôles de rendez-vous avec Reed Sawyer. Et l'autre l'a découvert. Alors il a vandalisé ma voiture et l'école. C'est pas Reed qui a écrit ça à l'école? Non. Non, il a fait porter le chapeau à Reed. Je suis allée le voir pour lui faire admettre. Alors il t'a attaqué? Il avait décidé de me violer. Il faut qu'on appelle la police, c'est... Non, on peut pas faire ça. Je sais pas comment j'ai fait pour semer autant de pagailles. Je crois que j'imaginais que si je faisais assez de dégâts, mon père me renverrait chez moi. C'est pas juste. Quelquefois, j'aimerais qu'on trouve un moyen d'avoir une seconde chance. Ça fonctionne pas comme ça. On doit vivre avec nos erreurs. Le péché est un virus qui se propage, se reproduit et se renforce continuellement. Mais il ne peut pas détruire la bonté à la racine. À moins, bien sûr, que la racine ne soit pourrie. Reed, c'est moi. Je suis sincèrement désolée. Je me suis trompée, je l'avoue, et complètement. C'était Jack Powell. J'aurais jamais dû aller le voir. Il a essayé de... J'ai réussi à le repousser, mais... Écoute, rappelle-moi s'il te plaît, d'accord? J'ai besoin de toi. Et quoi qu'il arrive, sache que je suis désolée. La colère s'engouffrait dans le cœur et l'âme de Bess. Envolée, la jeune fille bonne et dévouée. La vengeance est douce, avec du lait et de sucre pour masquer l'arrière-goût. Le verre de l'amitié? Un café au lait? Merci. J'ai pas vraiment dormi cette nuit. J'espère qu'il est pas trop sucré. Non, il est délicieux. Merci. Et bonne chance. Arrête, si t'y réfléchis bien, on est quitte. On est quitte? Tu m'as pris ma petite amie. C'est toi le premier qui m'a pris Bess. Je t'ai demandé de me la présenter, mais toi, tu l'as invitée. Ça, c'était il y a déjà plus d'un an. C'est bon, remets-toi. Quand je donne ma parole, ça veut dire quelque chose. Ta parole, c'est de la merde. Ne t'approche plus de moi. J'adore la caféine. Je me sens... vivante, tu vois? Tant mieux, tu vas assurer. Oh, tu sais, Bess, t'es vraiment... Ouais, toi, t'es fantastique. T'es toujours aussi dynamique et toute joyeuse. Après tout ce qui s'est passé, tu vois, t'es fantastique. Bienvenue à notre soirée organisée par le club de Bess. Il va falloir qu'on y aille. Ça va aller. Oh mon Dieu, Bess! Ta peau, elle est... C'est étrange. Elle est toute lumineuse. Bess Manning. J'ai le plaisir de vous présenter l'une des étudiantes les plus distinguées du lycée, Harper Grace. Je vous aime tous. Je vous connais pas très bien. Et vous, vous me connaissez pas très bien. Mon nom, vous le savez, c'est Harper Grace. Mais vous me connaissez pas, moi, à l'intérieur. Mais je vous aime. Qu'est-ce qu'elle fait? Adam? J'en sais rien, c'est peut-être une sorte de préambule. Oh, parfait. Adam? Adam? Adam, où est Adam? Ah, Adam. Salut Adam. Salut Adam. Lui, il me connaît. Il me connaît. Il me connaît comme si on était une seule personne. Vous voyez? Et quand on est ensemble, c'est... C'est plutôt cool. Ça va aller, Harper. C'est suffisant, ma chère.
Tu sais, aujourd'hui, tu m'as laissée toute seule. Harper. Tu avais dit que ce serait pour toujours, Adam. Alors, c'est difficile, tu comprends? Harper. Ça fait mal. Très bien, allez. T'avais dit pour toujours. Allez. Oh, t'avais dit pour toujours. Allez, venir. Incroyable. Ça suffit. T'avais dit pour toujours, ça et suffit. C'est pas pour toujours. D'accord. C'est terminé. La colère est une garce. Ou du moins, elle a fait de Bess une garce. Harper a eu ce qu'elle méritait. Bess a bien eu ce qu'elle voulait. Mais personne n'était censé mourir. Kane ? Kane ! T'es un idiot monumental, mais... je t'aime. Oh, je t'aime, moi aussi. Ok, je dois y aller. C'est pas Salut. Vrai, Kaya. Ça fait vraiment du bien de te voir en ce moment. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est juste que je peux pas aller au lycée aujourd'hui. Ah, et si on s'en allait? On s'en va loin, sérieux, tu sais, comme on a dit hier soir. Où est-ce que tu veux qu'on aille? New York. Ou Las Vegas aussi? Ou peut-être au sommet de la Tour Eiffel? Allez, viens, je conduis, s'il te plaît. Très bien, d'accord. Ouais. À le repousser, mais... Écoute, rappelle-moi, s'il te plaît, d'accord? J'ai besoin de toi. Et quoi qu'il arrive, sache que je suis désolée. Tout va bien. On est à notre place. On mérite d'être heureux, ma chérie. Regarde, t'as jamais rêvé de vivre comme dans un magnéto? Retour arrière, et pause, et on revient au début. On pourrait même être amis depuis le premier jour. Dis-moi, t'es défoncé ou quoi? On ne reviendra jamais! 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 Pourquoi revenir? On a tout ce qu'il nous faut ici. Un bolide, une journée ensoleillée, la liberté. Nous deux. Tu crois que ça peut être notre seconde chance? Oh, et c'est le van de mon père? Regarde la route! Harper, regarde la route! Rien de tel que la mort pour remettre les choses en perspective. Mais à présent, il était impossible de revenir en arrière. D'autres péchés allaient être commis. D'autres vies allaient être détruites.